beaucoup. Marlène est la photocopie conforme de son père. Ne lui enlevez plus ça. C'est l'enfant de Mendoza biologique. Sa mère a fait. On me dit que elle n'est pas la seule que sa mère a fait avec Mendoza. Ils sont nombreux. Mais c'est elle qui a pris. Parce que le pouvoir du serpentologue était de coucher avec ses propres enfants et Marlène était parmi. Anne Bam. Foyba la Bémot. Elle a commis l'inceste satanique avec son père. C'est son père biologique. Vous savez que moi, j'étais pas au courant de ça. J'ai d'abord réfléchi depuis le matin qu'on m'a donné l'information. J'ai dit ça avec la personne pendant au moins 2 heures. Elle m'a dit, maintenant, qui est Badu la rac, alors que ni à rac, ni à mes bonhommes, dans une d'arac, ni à te cœur, à le mono, ouais. Maintenant, hein. Mono, waya. Il a ma carte, mono, à ce que c'est que mono, ouais, tam. Je crois que cette femme a fait plus de... Ou c'est cet enfant. Ou il y en a plein qu'elle a fait avec Mendoza, parmi lesquels Marlène. Et que... Augustine a dit en bolo, en bolo. Marlène, Bessa, Bengabo Flus. Nous devons avoir flou, c'est pas pour pacte. Ngaï a quand même apporté plainte. On va aller exhumer le corps de Mendoza. On va faire le test ADN. C'est son père biologique. Elle a couché avec, pas le mari de sa mère, non, son père. Son père. Voilà pourquoi elle en veut au gouvernement camerounais. Parce qu'elle voulait rien dans ce Cameroun. Elle a l'aigle qu'elle a tatoué. Là. Elle a l'aigle qu'elle a tatoué entre ses cuisses pour voler haut. Oh. C'est pour voler haut. Oh. Dans ce Cameroun. Ça a été fait en Guinée équatoriale. Le voyage qu'elle a fait pour sortir avec le fils Obiang, elle était avec son père. Elle est partie en Guinée-Conakry. Et il était dit que qu'il fasse un coup d'état à Paul Biya depuis la Guinée équatoriale. Je pèse mes mots quand je parle. Elle avait fait ce voyage avec son père incestueux. Même si je ne ferme pas, c'est pas grave. J'ai un beau corps. Mon corps est propre. C'était pour venir faire le coup d'état. C'est pour ça que le monsieur est mort en prison. Puisque Obiangema avait dit qu'il va payer l'argent que Paul Biya réclamait à Mendoza. C'était pas ça le problème. Ce n'était pas l'argent. C'était un coup d'état préparé. Voilà pourquoi le monsieur est mort en prison. Voilà pourquoi Marlène et Mvoutou étaient envoyés en prison avec son père incestueux. Vous comprenez? Tout ce qu'elle vit là maintenant, c'est le karma des marabouts, de tout ce qu'elle a fait. Parce que ces choses ont toujours les répercussions néfastes. C'est comme un fou qui a fait l'école. Si tu crois un fou qui a fait l'école en route, hein, tu peux le prendre comme répétiteur de tes enfants. Hein. Tes enfants vont réussir les examens. Hein. Marlène est restée avec les séquelles de la richesse dans sa tête. Elle en veut
à la famille présidentielle parce qu'elle avait préparé un coup avec son père. Vous comprenez? Elle avait préparé un coup avec son père pour voler comme l'aigle sur les Camerounais. Dans ce Cameroun. Où c'est le MRSC, vous la suivez maintenant parce que vous ne connaissez pas le problème en fond, de fond. C'est ma soeur. Je peux dire, je ne peux même pas l'appeler ma soeur parce que quand on dit soeur en français, ça veut dire que vous êtes... C'est une compatriote du monde.